Alors, cette vidéo s'adresse à ceux qui font partie de ma liste Confidential Forex. Et donc, en ce moment, je vous donne gratuitement des baskets, donc des systèmes d'un ensemble de paires de devises à trader simultanément, plus ou moins, et d'avoir un objectif global plutôt que d'avoir un objectif par paire de devises. C'est une méthode que je trouve très intéressante. Et donc, je suis en train de faire des recherches à ce sujet-là et je viens de trouver peut-être une amélioration vraiment très, très importante au niveau du positionnement en fonction du basket que l'on a. Alors, le basket, alors je vais vous donner un exemple parce que là, j'étais en train de faire une étude par rapport à un basket que je ne vous ai pas donné spécialement parce que j'étais en train d'étudier ça. Donc, c'était aujourd'hui à 0h GMT plus 2, donc le premier basket de la journée, où vous aviez AUD/CAD qui était en vente, AUD/CHF en vente, AUD/JPY en vente, AUD/USD en vente, EuroCAD en vente, EuroCHF en vente, EuroGBP en vente, EuroJPY en vente, EuroUSD en vente, GBP AUD en achat, GBP NZD en achat, NZD CAD en vente, NZD CHF en vente, NZD JPY en vente et NZD USD en vente. Ce qui faisait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça faisait donc 15 paires à trader. Alors, moi, ce que je vous conseille maintenant, quand vous allez recevoir donc mes baskets, donc je vous dis, c'est pour ceux qui sont inscrits à ma liste Confidential Forex. Hein, les autres, bah, vous pouvez rien faire naturellement, parce qu'il faut recevoir ces listes-là. Ce qu'il faut, c'est vous créer un graphique avec aucun indicateur au niveau des cours et vous rajoutez juste un RSI. Et pour le RSI, bah, c'est tout bête, je vais vous montrer les paramètres. Donc vous avez, c'est un RSI qui est à 14, hein, sur close. Et puis vous mettez deux niveaux. 1,55 et 1,45. Vous voyez, c'est tout bête. Alors pourquoi 45 et 55? C'est pour éviter le ranging. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se positionner sur une paire qui est en train de faire du ranging ou se positionner sur une paire en vente alors qu'elle est en achat. Donc voilà le système que je modifie. C'est plutôt que vous positionner sur un ensemble comme ici. Donc globalement, dès que vous recevez la liste, sans réfléchir, vous positionnez sur les paires, eh bien, moi je trouve qu'il vaut mieux réfléchir un petit peu et vous allez voir que c'est vraiment très payant. Et votre objectif de 2%, je pense que vous le ferez beaucoup plus rapidement et surtout avec beaucoup, beaucoup moins de découvertes, ce qui va vous permettre peut-être de prendre un petit peu plus de risques si vous voulez. Je vous rappelle, vous faites d'abord en démo, hein, vous ne faites pas du tout en réel, mais de prendre un petit peu plus de risques pour pouvoir, comment s'appelle, gagner rapidement 2% par jour. Je sais que beaucoup disent que c'est impossible. Moi, il y a longtemps que je laisse les gens raconter ce qu'ils veulent. Je préfère faire moi-même. Et je sais qu'avec le Forex, on peut gagner 2% par jour, c'est possible. Et simplement, il faut réfléchir un petit peu comment faire. Il ne faut pas suivre bêtement les choses. Il faut vraiment réfléchir, comprendre ce que l'on fait. Alors, si je reprends ma liste, on va reprendre la liste. Qu'on appelle paire par paire. Donc la première paire, c'était AUD/CAD en sell, en vente. Hein. Donc voilà, AUD/CAD en vente. Là, nous sommes, donc là, c'est 0 heure, donc à 2 heures du matin, 0 heure. Et comme c'est en sell, il va falloir s'intéresser à cette paire-là quand elle va passer, quand le RSI va passer à 45. Le RSI passe à 45, regardez si je mets ma souris sur cette bougie-là. Ici, vous avez 45, et quelques. Hein, vous vous moquez de ce qui est après la virgule. Ça passe à 45. Donc ça, c'est le signal pour vous positionner en vente. Vous positionnez à l'ouverture de la et mon graphique est en M5. Hein, je le précise, c'est très important. Donc vous positionnez à l'ouverture de cette bougie-là. C'était en vente. Vous voyez ce que ça donne. Ça, c'était la première paire que j'avais donc à 0 heure
avec mon système de basket. Alors maintenant, on regarde la deuxième paire. La deuxième paire, c'est AUD-CHF en vente. Donc, je vais me positionner sur AUD-CHF. AUD-CHF. Non, ça c'est USD-CHF, pardon. AUD-CHF en M5, voilà, c'est ici. Donc, à 2 heures, on est donc à 0 heure, pardon, le 2. Donc, aujourd'hui, on est à cette ligne-là. Donc, toujours en 5 minutes, je vous rappelle. C'était en vente, donc il va falloir attendre que comment ça s'appelle, le RSI passe à 45, hein, minimum. Donc là, il passe en dessous de la ligne des 45, ici, à cette bougie-là. Vous positionnez là, vous posez pas de questions, et voyez, ça part bien en vente. Je vous rappelle que dans un basket, ce qu'il faut, c'est que, en fait, c'est le cumul des paires qui partent dans le bon sens qui va faire que vous allez rapidement avoir les gains sur la paire. Donc là, ça fonctionne bien, encore une fois. On passe maintenant à la paire AUD-JPY, donc en M5. Donc AUD-JPY en M5, c'est celle-là. Voilà, à cette ligne, on est donc à 0 heure. Ici, le 2. Et à la deuxième ligne verticale, c'est exactement au moment, si vous regardez, le RSI est à 42. Donc là, c'est vraiment le signal. Vous positionnez ici en vente. Et voyez, ça part bien en vente. On continue. Vous allez voir, c'est vraiment assez intéressant. On continue avec AUD-USD en vente. Donc AUD-USD en vente en M5. Voilà, 0 heure, c'est ici. Pareil. Et à cette bougie-là, si vous regardez bien, bah, on passe en dessous les 45. Là, on est à 38, hein, d'un coup. Il y a une accélération. La bougie d'avant, on était ici. On était à 48, pratiquement 49. D'un coup, c'est bien descendu. On se positionne en vente à la prochaine et voyez que ça a bien descendu. On continue. Donc là, on était à AUDUSD. On passe à Eurocad en vente. Donc Eurocad, il faut que je bouge un petit peu, mais Eurocad en vente. Voilà, donc Eurocad, c'est ici. Là, nous sommes à 0 heure. Et vous voyez pourquoi vous positionnez en vente sur cette paire juste à ce moment-là, alors que ça repart encore en achat. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais à quoi sert votre signal si votre signal dit qu'il faut partir en vente et ça part en achat? Bah, tout simplement parce que mon signal détermine qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé, par exemple, en vente. Et ça ne veut pas obligatoirement dire que ça va partir en vente en fait, puisque ça peut être un excès en vente. Dans ces cas-là, ça repart en achat. Par contre, je me sers quand même du signal en vente, parce que si jamais, admettons que ça s'inverse complètement et que ça part en achat, cette paire ne m'intéresse pas. Par contre, si juste après, ça repasse en vente, là, ça m'intéresse. Et donc, par exemple, à cette bougie-là, c'est passé à 44. Donc là, on pouvait partir en vente. Et vous voyez que ça fait un petit peu de ranging pendant du temps, mais par contre, vous avez été pratiquement pas un découvert sur cette paire-là, et d'un coup, ça part vraiment en vente. Hein, c'est simplement avec ma méthode, je vais détecter dans quelle direction principale je devrais prendre les trades, et je ne prends en fait les paires qui partent vraiment dans cette tendance-là, dans un système de basket, comme je vous l'ai défini. Donc vous voyez, Eurocad, ça fonctionne encore. On continue avec EuroCHF. Donc Euro CHF. Euro CHF. Mais c'est après, c'est ici. Non, ça c'est voilà, ici. Donc nous avons à la première ligne verticale, c'est le signal. Mais là, on était le RSI était à 52 et quelques. À la bougie suivante, ça passe à 41,80. Vous voyez, donc vous partez à la suite, ici en vente. Voilà, là, c'est remonté, puis après, ça redescend, pas de problème. Hein, après, on ne tient plus compte du RSI. C'est simplement partir, quand c'est dans un trade, à partir du moment où on est au moins dans le sens théorique du trade qui va se faire pour limiter les découvertes. Hein. Là, par exemple, le découvert,
sur cette paire-là. Vous voyez, si on part d'ici, c'est monté ici. Et on était à 6 pips plus le spread. Donc, on était à 8, 9 pips de découvert. Donc, ce n'est pas énorme. Et ensuite, il a bien reparti en vente. Alors, on va continuer. Alors, donc là, on était à Euro-CHF. On continue avec Euro-GBP. Voilà, c'est pareil, ce n'est pas une paire que j'adore particulièrement à trader. Voilà, 1M5. Donc là, à 0h, eh bien, le RSI se trouve en dessous la ligne des 45. Donc là, on part en vente. Hein. Et là, eh bien là, ça fait ça monte, ça descend, ça monte. Bon, là, c'est monté au maximum. Là. De 16, de 18 pips au maximum. Vous voyez que ça s'est redescendu un peu par ici. Et si au même moment le cumul des pips faisait que vous aviez gagné 2%, bah vous clôturez déjà. Et je pense que ça le fera dans le final parce que pratiquement tout est positif ici. Alors, on continue avec EURJPY en M5. Vous voyez, là c'est 0h. Et à cette bougie-là, le RSI passe à 40, vous partez en vente, et vous voyez, c'est bien parti en vente. Donc, vous voyez, les problèmes comme par exemple la paire Euro-GBP sont vite absorbés grâce au système de basket. On continue. On a Euro-USD, Euro-USD en M5. Donc, là, on a le 0h. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est que cette ligne-là? Là, je supprime cette ligne-là. Cette ligne-là n'a pas lieu d'être. Enfin bon, c'est pas grave. Là, elle est là, mais je ne sais pas pourquoi. Alors là, vous êtes donc à 0h. À 0h, le RSI est inférieur à 45. Et vous partez directement en vente. Et vous voyez que ça a bien parti en vente à la suite. Alors, on continue. Donc, Euro-USD. Donc maintenant, GBP AUD, mais c'est en buy, faites bien attention, c'est en buy. Il faut que je repère, GBP AUD, en buy. Alors là, on est à 0h. Ici, à la deuxième ligne, on passe à 56. Donc là, on peut partir en achat. Et vous voyez, c'est bien monté. Alors naturellement, vous me direz, après ça redescend, mais oui. Mais c'est dans le cumul de toutes les paires qui, en même temps, vont partir dans le bon sens par rapport à ce qui est prévu, va faire que vous pouvez gagner vos 2% dans la journée. Alors, on continue avec la paire GBP-NZD. GBP-NZD. Voilà. Donc là, attendez, GBP-NZD, je crois que c'était en achat, mais je vérifie. Oui, c'était en achat. Donc là, 0h, on est en dessous de 45. Ici, à cette bougie-là, on est au-dessus de 55. Et donc, on part en achat. Et vous voyez que là, c'est pareil, c'est bien monté en achat. Après, ça redescend, ça remonte, etc. Donc là, c'est pareil, ça a bien fonctionné. NZD CAD maintenant. Donc, NZD CAD. Alors. Alors voilà, NZD CAD, pardon, NZD CAD c'est en vente, donc ici, vous voyez que pourquoi partir en vente alors que la paire est carrément en achat? Donc là c'était un excès, donc il disait qu'il y avait un excès, tout partait en vente, et donc il fallait se positionner en vente. Ça part en achat, on attend que ça repasse en vente. Donc ça repasse en vente à cette bougie-là. La bougie d'avant, on était. Ah si, la bougie d'avant, on pouvait. C'était un signal en fait. Là, voilà. On était à 45. Donc on part en vente ici. Et vous voyez la bonne descente, encore une fois. On continue. Donc là, c'était NZD CAD. Il y a NZD CHF.
Alors, ma souris, LZD, voilà, c'est celle-ci. Donc, c'est pareil, c'est en vente. Alors, à 0 h, on est ici. Donc, on est en super achat. Hein. Et là, ici, on passe en vente. Donc, vous partez en vente ici. Vous voyez que c'est bien parti en vente. On va continuer. Donc, là, c'était NZD CHF. Ensuite, on a NZD JPY. Voilà, en M5. Donc, on est ici. Pareil, on est en achat. Donc, à cette bougie-là, on passe en dessous de. Enfin, on est à 44, donc on peut partir en vente à la prochaine bougie. Vous partez en vente et vous voyez, c'est jackpot. En finale, on a NZD USD. Donc c'était la dernière paire, donc qui est en vente. Je passe ici. Donc à 0 h, on est ici, ça monte un peu. Ici, on est à 43. Donc on peut partir en vente ici. Et vous voyez comme bien. Comment c'est bien parti. Donc voilà, maintenant, à chaque fois, je vais vous envoyer donc un basket de, comment s'appelle, de paires à trader. Respectez ça et surtout, tenez-moi au courant. Ce sera quand même gentil de votre part. Je vous donne ça gratuitement pour l'instant. Vous pouvez le faire en démo, voir comment ça fonctionne. Et plus tard, si jamais vraiment ça vous intéresse, vous le ferez en réel. Mais déjà, regardez en démo comment ça se passe. Tenez-moi au courant de vos essais. Et moi, j'essaierai tous les 4 heures de vous donner donc un nouveau basket. Donc au moins 3 baskets dans la journée. Bon, quand je dors, naturellement, je ne vous donnerai pas de basket. Mais comme je suis bien positionné étant au Vietnam, j'arrive à vous donner, je pourrais vous donner le basket de 4 heures, de 8 heures et de 12 heures. Et de 16 heures, peut-être 3 ou 4 baskets donc dans la journée. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit à Confidential Forex, hein, si jamais ce style de trading vous intéresse, pour vous inscrire à Confidential Forex, il vous suffit d'aller sur mon blog, c'est-à-dire ericdavidforex.com. Vous cliquez sur l'onglet Confidential Forex, comme ici, et vous allez pouvoir laisser, comment s'appelle, votre nom, ainsi que votre adresse email. Essayez de ne pas vous tromper parce qu'il y en a qui arrivent encore à se tromper avec des adresses e-mail et vous cliquez sur « Je m'inscris ». Vous recevrez ainsi, donc à chaque fois que j'envoie un basket, ben vous recevrez donc l'e-mail ou des informations particulièrement sur tout ce qui touche à Confidential Forex qui est donc exclusivement réservé à cette liste particulière car je n'ai pas voulu du tout la mélanger avec ceux qui reçoivent ma newsletter normale dans le sens que là, je suis amené à vous envoyer plusieurs emails dans la journée et pour certains, bah, ça fait beaucoup trop. Hein, mais là, c'est vraiment pour faire du trading, c'est pas du tout pour ceux qui veulent juste regarder comme ça, c'est vraiment pour ceux qui sont intéressés pour gagner de l'argent en tradant le forex. Voilà, il m'en reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellents trades et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.